Le milieu de terrain algérien est courtisé par deux clubs étrangers. D'après France Football, l'ancien Sochalien serait suivi par les Anglais de Southampton et les Espagnols de la Real Sociedad. Le club corse pourrait accepter de céder son joueur contre un chèque de 3 millions d'euros. Vahid Halilhodžić, à la recherche d'un défenseur, aurait jeté son dévolu sur Essaïd Belkalem. Alors qu'on a annoncé tour à tour Medjani puis Bouguera, voici que la piste la plus sérieuse menant un défenseur algérien au club de Trabzonspor soit celle d'Essaïd Belkalem. En effet, le club turc, à travers son directeur des opérations, Burak Gurdal, a annoncé qu'il était en négociation avec Watford pour un prix avec option d'achat à propos du défenseur algérien. Très apprécié par Vahid Halilhodžić, le joueur devrait voir son avenir se décider cette semaine.